Alors bienvenue chez vous et bienvenue pour la première d'Avenue Centrale, rendez-vous en sciences humaines. Donc je suis Luc Wiedzinski, je vais avoir la chance d'animer ces 12 rendez-vous 2014-2015. Alors je voudrais remercier Laurent Beg, directeur, pour sa confiance. Alors Laurent m'a convié un jour chez lui, il m'a laissé choisir le menu, les invités et le mobilier. J'allais dire, ce garçon est un peu fou. Et il m'a même dit tu restes tant que tu veux. Il sait pas non plus vraiment ce qu'il fait. Alors je voudrais remercier aussi ses équipes pour le montage et tout particulièrement Laurence Raphaël qui elle m'a laissé transformer l'amphi en un salon presque privé. Alors deux idées quand même au démarrage de ce projet. La première, c'est la question de la rencontre, et puis la deuxième, c'est celle du partage. Alors rencontre avec la ville et avec le monde. Urbi et Orbi, c'est l'ambition de Laurent Beg, c'est pas la mienne, hein. Je plaisante. Ici et maintenant, sur le campus, dans la maison de Laurent, et dans ce qui est notre maison, parce qu'il a dit la maison des sciences de l'homme, c'est votre maison, quoi. Donc on y va, on est finalement chez nous. Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain qui nous rejoindra. Au cours de cette année, il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Alors si le bouquin d'Yves Citon était sorti un tout petit peu plus tôt, on aurait pu lui piquer une autre formule. Nous n'avons rien de mieux à faire que d'essayer d'améliorer nos écologies de l'attention individuelle et collective. Donc on aurait pu lui piquer cette petite phrase. Alors dans la pratique, je vous rappelle comment ça se passe. On a trois quarts d'heure, on a démarré avec un petit peu de retard, mais ça c'est quasiment normal. On va essayer quand même d'être ponctuel les prochaines fois. Donc on a une demi-heure d'exposé, Yves, un quart d'heure de questions et d'échanges. Donc parole à vous, moi je passerai les micros. Côté diffusion, l'ensemble est filmé et sera en ligne dans une semaine. M'a-t-on prévenu. Et puis ensuite, Laurence veille avec une petite cloche. Et donc, on rejoindra tranquillement ensuite le buffet une fois ces trois quarts d'heure passés. Vous avez des tickets sur les sièges, tout simplement pour que chacune et chacun d'entre vous qui participe à la conférence puisse effectivement déjeuner tranquillement. Alors avant de me tourner vers notre invité, je voudrais quand même dire un petit mot parce qu'on nous a écrit, des gens nous auraient écrit. Et ces gens ont crié, mais attention, que se passe-t-il? 12 invités, une seule femme. Alors je voulais simplement vous m'engager devant vous, puisque Laurent m'a dit que je pourrais rester quelques années, donc je vais essayer de rester quelques années. L'an prochain, les femmes seront très majoritaires. On inversera la tendance. Avec Laurent, on est des hommes du temps long, et on pense que l'équilibre et l'égalité se mesurent aussi sur ce long terme. Alors on va démarrer le cycle avec Yves Citon. Alors Yves Citon, je n'étais pas en train de terminer des lectures que je n'avais pas faites, mais simplement Yves Citon pour dire que c'est bien celui que vous avez aperçu là. Normalement c'est lui, voilà. Donc c'est lui, on est d'accord, c'est bien Yves Citon. Simplement pour dire que c'est devenu une sacrée vedette médiatique Yves Citon. Il est partout, hein. Il se répand dans la presse, il est interviewé un petit peu partout sur ces questions. Donc je voudrais simplement le remercier d'être là et de nous accompagner dans la démarche. Alors Yves, le pari d'Yves, c'est de nous aider à mieux comprendre les transformations sociales actuellement induites par la révolution numérique, en revisitant les médias d'avant 1900.
Alors, moi, j'en accepte l'augure, puisque c'est le pari que tu fais, on te fait confiance. Mais moi, je dis, c'est pas évident, parce que quand j'entends archéologie, je vois un chantier de fouilles. Ça, c'est une enfance un petit peu malheureuse dans la boue, dans les chantiers. Et puis, j'entends aussi médias, je vois un écran. Donc, d'un côté, j'ai un chantier de fouilles, et de l'autre, un écran. Alors, je me dis, ben, allons-y, Yves, hybridons. Merci. Merci. Ça marche ? OK. Donc, merci d'abord de m'accueillir. Merci de me faire ouvrir cette saison. Je suis, toute la saison, l'existence même de ces rencontres. Je suis un petit peu impressionné. Je vous prie de m'excuser de ne pas être une femme. Je fais ce que je peux, mais là, je ne peux pas. Là, ça, je peux pas. Et alors, tout le programme que j'avais annoncé et que tu as repris dans ta présentation, en fait, j'imaginais qu'on avait au moins 3 mois. Et là, on n'a que 30 minutes. Donc, je vais aller très vite et lancer quelques pistes. Et on verra ce qu'il en reste à la fin dans les questions. Donc, je vais vous présenter surtout une sorte de cabinet de curiosité, objet bizarre du XVIIIe siècle. Ensuite, je vais hasarder ou reprendre quelques définitions des médias, pour qu'est-ce que c'est que l'archéologie des médias et qu'est-ce que c'est que les médias. Ensuite, essayer de se dire pourquoi on peut faire de l'archéologie des médias si on veut. Et si on a le temps, si on n'a pas le temps, on coupe, mais si on a le temps, 3 modes différents de pratiquer l'archéologie des médias. Alors d'abord, quelques objets bizarres, et je commence avec ceci. Et si on avait 3 mois, je vous demanderais ce que c'est, et chacun de vous me dirait que c'est une machine à distiller, je ne sais pas, enfin on peut imaginer des choses, voilà, je vous laisse imaginer, mais alors vous n'avez pas beaucoup de temps, parce que je vais vous dire que ça s'appelle The Heirloom, et c'est un objet produit par un artiste en 2002, Rod Dickinson, à Newcastle. Donc si vous alliez à Newcastle, dans cette galerie, vous pourriez voir ceci. Et ça s'appelle The Heirloom parce que ce monsieur, en 2002, a repris alors quelque chose que je vais vous proposer d'imaginer comme un médium ou média. Et je vous explique en quelques mots de quoi il s'agit. James Tilly Matthews est venu en France, c'est donc un commerçant anglais, qui est venu en France au moment de la Révolution pour essayer de faire la paix entre la France et l'Angleterre. Il n'a pas réussi, il est retourné en Angleterre et il a été enfermé dans un asile pour ce qu'on appellerait aujourd'hui la paranoïa. Et sa paranoïa, ça consiste à imaginer qu'il y avait plein de machines comme ça dans les caves de Londres et qu'avec ces machines, vous voyez une sorte d'opérateur qui peut bouger différentes choses, on peut contrôler les pensées des gens qui sont dans un rayon de quelques kilomètres. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut couper leur âme de leur sens, on peut en faire de leur mental, on peut le transformer en cerf-volant, on peut leur écorcher l'estomac, on peut leur craquer la langouste, on peut leur allonger le cerveau, on peut les faire exploser, leur imposer un burn-out, contrôler leurs pensées ou fabriquer des événements. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vais partir de ça et je vais vous proposer de garder cet objet-là comme exemple de ce qu'exhume l'archéologie des médias. Il y avait un délire d'un fou dans un asile de Londres qui a été matérialisé après coup par Rod Dickinson. Et la question, c'est est-ce que ça, c'est un médium ? Est-ce que c'est de la folie ? Est-ce que c'est des artistes qui n'ont rien de mieux à faire qu'à recomposer des trucs qui n'ont jamais marché ? Premier élément, donc, vers 1800, disons. Et là, je vais remonter dans mes cabinets de curiosité avec quelques objets, vous allez voir, assez hétérogènes, qui remontent à 1646. Vous connaissez peut-être ou pas un jésuite qui s'appelait Athanasius Kircher, qui fait un livre superbe, L'art, le grand art de la lumière et de l'ombre, dans lequel, entre autres choses, parce que ça fait des centaines, voire des milliers de pages, je ne me rappelle plus, il décrit un appareil fait de miroirs pour refléter la lumière du soleil et imprimer sur un mur, Pax Vobis, que la paix soit avec vous, des images du Christ et autres à l'intérieur d'une salle. Donc ce n'est pas encore du cinéma parce que ça ne bouge pas beaucoup, mais c'est déjà une projection d'images et Kircher est connu pour avoir aussi inventé, ou c'est vrai ou pas vrai, quelque chose comme la lanterne magique. Ce même Kircher invente ou décrit un panacousticon. Vous connaissez peut-être le panopticon de Bentham repris par Foucault. Vous trouvez en 1650 chez le même Kircher dans un autre livre un palais ou des dispositifs pour pouvoir entendre depuis la salle où est situé le prince ce qui se passe dans la cour, ce qui se passe ailleurs, par tout un système acoustique.
Ce type de panacousticon est repris dans des romans du XVIIIe siècle. Là, c'est un roman parmi beaucoup d'autres. Thomas Simon Guelette, qui a édité notre collègue Jean-François Perrin, dans Les Sultanes de Guzarat, ce que vous avez à droite, donc ce n'est pas la même image, là, je vous mets l'image pour mémoire, mais il y a une illustration des Sultanes de Guzarat, où vous avez des dames, des femmes, les épouses du sultan, qui sont placées dans un palais enchanté dont le sultan entend et voit tout et auquel il raconte des histoires. Il leur fait raconter des histoires. C'est en leur comportement de spectatrice qu'il va pouvoir contrôler leurs vertus, leurs désirs et leur destin. Autre chose, 1730, toujours ces mêmes années, si vous vous promeniez dans les foires vers 1730, vous pourriez voir un garçon électrifié de Stephen Ray. Et c'était quoi ? Vous aviez donc un garçon innocent suspendu à des filins auxquels on imposait des petites décharges électriques, pas dangereuses, je vous rassure, mais il y avait déjà des sortes de piles, bouteilles de lait ou autres. Et donc, on lui communiquait de l'électricité qui lui permettait, parce qu'il devenait transmetteur d'électricité, ça lui permettait d'attirer à lui de la paille de fer ou différents métaux légers. Donc, animation dans les foires où l'individu devient conducteur de courants, de flux, d'influence, de courants électriques. Autre objet dans mon cabinet de curiosité, vers 1755, un Français nommé Ingramel ou un Allemand nommé Sulzer invente des machines pour enregistrer. Et on se dit, les machines à enregistrer, c'est le gramophone, c'est le 19e siècle. Et bien, au 18e, vous aviez quelque chose comme ça. Ça fonctionnait comment ? On le mettait sous le clavecin. Et lorsque quelqu'un joue sur le clavecin, chaque fois qu'une touche est pressée, ça s'inscrit sous le clavecin sur une sorte de papier et de rouleau qui passe. Et ce que ça a produit comme effet, c'est qu'on a invité un improvisateur très célèbre de l'époque. On ne lui dit pas qu'il y a des machines souterraines. On le fait jouer. Tout le monde s'extasie devant la beauté de sa musique. Le lendemain, on le fait revenir et on lui joue exactement sa même improvisation. Et forcément, il s'étonne et il crie tout de suite au vol. On a volé son talent, on a dérobé, aujourd'hui on parlait de copyright, de droit d'auteur, de propriété intellectuelle, Hollywood ferait des procès, on a volé la créativité, la création, l'improvisation sur le moment de ce musicien. Autre machine, alors ça s'est passé, des machines textuelles, un auteur peu connu du XVIIIe siècle s'appelle Charles Tiphaine de La Roche, publie deux ouvrages, un en 1760 s'appelle Gifanti, un autre en 1761 qui s'appelle Zazirocratie ou l'Empire des Aziris, dans lequel il décrit des esprits élémentaires, des choses qui flottent entre nous, qui sont partout entre nous et qui nous contrôlent de façon bienveillante ou qui nous contrôlent pour nous exploiter, en gros, pour s'amuser et profiter de nous. Dans cette Gifanti de Charles Tiphaine de La Roche, on trouve ce qui est souvent décrit comme la première invention, la première description de la photographie. Donc la photographie, on se dit 19e siècle aussi. Là, vous en trouvez une description que je ne vous ai pas mise parce qu'elle est un petit peu longue. Parmi ces différentes innovations médiatiques de la Gifanti, vous trouvez un globe. Et donc, c'est dans un voyage, on arrive dans ce monde, on trouve un globe et sur le globe, le préfet nous dit qu'on peut cliquer, en gros, il faut presser avec une baguette, mais on peut cliquer et tu vas entendre distinctement ce qui se dit dans l'endroit correspondant de la Terre. Donc on retrouve cette espèce de fantasme, de machinerie, de pouvoir entendre tout ce qui se passe à la surface de la Terre. Dans un chapitre suivant qui s'appelle Le Miroir, on dit au personnage, maintenant tu as pu entendre toutes ces choses, mais tu vas pouvoir les voir. Avec ta baguette et cette glace, ce miroir, tu vas entendre et voir tout à la fois, rien ne t'échappera, tu seras comme présent à tout ce qui se passe sur la Terre. Tu seras comme présent à tout ce qui se passe sur la Terre. Et la Gifanti, donc on retrouve, et la description, si vous avez le temps de la regarder à droite, c'est de nouveau des jeux de miroirs qui permettent, par différentes orientations, de voir tout ce qui se passe à la surface de la Terre. Et Gifanti, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, on l'a souvent pris comme l'anagramme de Tiphaine. Le monsieur s'appelle Tiphaine, donc Tiphaine, vous changez l'ordre des lettres et ça fait Gifanti. Mais dans les traductions allemandes et anglaises de Gifanti, ils ne s'y sont pas trompés. Le sous-titre de Gifanti en allemand, c'est dit Erdbeschauung, une vision, la façon de regarder la Terre, une vision de la Terre. Et le titre de la traduction anglaise, c'est une vue de ce qui s'est passé, de ce qui se passe maintenant et de ce qui se passera dans le monde.
Et donc, dans cet imaginaire médiatique-là, on a quelque chose comme un monde saturé de webcams qu'on peut consulter en temps direct depuis son petit ordinateur ou son globe. Donc, il me reste deux ou trois sur lesquels je vais passer toujours trop rapidement, mais on pourra y revenir si ça vous intéresse. Et il y en a pas mal d'autres aussi que vous pouvez rechercher vous-même. Ça, c'est quelqu'un de plus connu, Mesmer, que certains d'entre vous peut-être ont déjà rencontré, qui était un médecin viennois qui a un grand succès à Paris dans les années 1770. Et qu'est-ce qu'il faisait Mesmer? Il théorisait la présence d'un fluide magnétique, qui existe en nous, une sorte d'influx nerveux, si vous voulez, d'équilibre d'influx nerveux, mais qui circule aussi entre nous. Nous sommes traversés par ce fluide animal ou ce fluide magnétique. Et lorsqu'on a des soucis de santé, on peut se mettre autour d'un baquet, hein, c'est le baquet de Mesmer que vous avez là, le tenir pour que le courant, le fluide passe, se tenir les uns les autres, et il se passe des choses et on se soigne, dit-il. Alors, il a été éliminé de l'histoire des sciences comme un fumiste, un imposteur, etc. Mais alors, il y a pas mal de gens comme Isabelle Stengers, que vous connaissez peut-être, qui nous dit que c'est l'exclusion de Mesmer du domaine scientifique qui a marqué un certain... Alors, rigorisme ou un certain dévoiement d'une science exclusive de phénomènes qui pourtant mériteraient d'être étudiés. Donc de nouveau, hein, vous commencez peut-être à voir ce qu'il peut y avoir de commun dans ces différents objets que je vous montre. Ça circule entre nous, ça circule à travers nous, ça circule par les airs, par des phénomènes magnétiques qu'on comprend mal, ça nous fait voir des images, ça nous secoue, ça nous agite, ça nous émeut, ça nous motive, hein, tous ces termes du mouvement, ça fait en gros ce que font les médias aujourd'hui lorsqu'on réagit à une nouvelle, que ce soit par le journal, par la radio, par la télévision. Ici, c'est un des pères des fantasmagories, donc, qui se présente à la fin du XVIIIe siècle à Paris et dans d'autres villes, Robertson, qui, par un système de projection, de nouveau lanterne magique inspirée par Kircher, sur de la fumée, fait apparaître des choses qui n'existent pas, des anges, des démons. Non seulement il fait ça, mais on a des descriptions où dans d'autres présentations des fantasmagories, vous avez un fil électrique qui est installé sous les spectateurs et de temps en temps, comme pour le garçon électrifié, on leur met des petites décharges électriques pour rendre la chose plus intéressante et plus animée. Il se trouve que 1786, c'est là aussi, c'est dans ces années-là que Galvani torture des grenouilles, leur découpe les jambes et met des petites implantations de fils électriques sur les grenouilles et s'aperçoit que quand on met des décharges électriques, eh ben, ça fait bouger les pattes de grenouilles. Non seulement ça, ça veut dire que nous, si je bouge, hein, qu'est-ce qui m'émeut, qu'est-ce qui me fait bouger, ben, c'est du fluide magnétique, du fluide électrique, du fluide informationnel. Et là, il fait une expérience où un soir d'orage, vous avez torturé votre grenouille, vous lui mettez les fils électriques et sans que vous ayez besoin d'ajouter de l'électricité, c'est l'orage lui-même, c'est le temps, c'est le climat, c'est le magnétisme, c'est l'électricité ambiante qui fait bouger vos pattes de grenouille. Alors si j'avais le temps, je vous montrerais que tout ceci que nous imaginons à travers ce qui en anglais s'appelle the air, hein, l'air, à savoir les ondes, ça se vivait au XVIIIe siècle à travers la presse. Il y a un nouveau média du XVIIIe siècle qui est le développement de la presse périodique. Vous avez quelques chiffres. Dans les années 1720-29, vous avez 60 titres nouveaux. La décennie des années 50, 100, deux fois plus, 115 titres nouveaux. La décennie des années 1780, 160 titres nouveaux. Donc il y a partout des journaux qui émergent, qui font ces effets de diffusion d'informations, ces effets qu'on contrôle mal. Pourquoi tout le monde pense un petit peu la même chose à tel moment et pourquoi ils pensent tous à une actrice qui n'est pas plus intéressante qu'une autre? Pourquoi un fait divers devient central dans la vie parisienne? Pourquoi un uluberlu comme Rousseau passionne toute l'Europe au même moment? Tout ça, on en voit des traces et une mise en place à travers le développement des journaux. Avec celui-ci, j'ai presque le temps de vous le lire, qui s'appelle « Les chiffons » d'une mademoiselle Javotte, qui est donc une dame, une demoiselle qui s'adresse aux dames. Donc vous avez un peu invité de conférencière, mais par contre, il y a mademoiselle Javotte quand même, dont je parle aujourd'hui, qui dit aux dames, comme il est clair que votre jugement aussi sûr, quoi qu'on en puisse dire, est souvent plus délicat que celui de messieurs les hommes, nos soi-disant maîtres influent beaucoup, hein, ça influe beaucoup sur le sort de nos ouvrages et bien d'autres choses. Comme il est évident qu'une fille de mon espèce, devenue auteur et presque philosophe, est un phénomène, hein, gifantie, quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on montre, quelque chose qui fait semblant, et que les phénomènes sont assez de votre goût, comme il est naturel qu'abstraction faite de mon métier
vous vous intéressez à un individu de votre sexe, comme il est notoire que je suis très honnête fille, comme il est probable que cette qualité jointe à celle de demi-poète n'est pas un brevet de fortune, comme il est légitime que je souhaite tirer parti de mon travail, comme il est permis de chercher des protections, comme enfin il n'en est pas de meilleur que la vôtre, je vous le demande, madame, votre protection, achetez mes chiffons, parcourez-les, jetez-les ensuite sur vos toilettes, confondez-les avec vos baigneuses, vos paresseuses et vos fichus, etc. Si vous voulez même, faites un paquet du tout et envoyez-le-moi avec vos observations. Je reprendrai la brochure que je revendrai, double bénéfice. Je me parerai de vos dépouilles, économies, et j'imprimerai vos remarques. Ce sera l'ornement de mes paquets. Mon imprimeur vous donnera mon adresse. Donc là, vous avez le mécanisme du blog. En gros, si vous lisez ces chiffons, c'est n'importe quoi. Elle raconte ce qu'elle a fait le matin. C'est comme les tweets de Luc. Hein. Il vient de dire, voilà, je suis en train de faire un truc excitant. Voilà, elle raconte n'importe quoi. C'est ses tweets ou son blog à elle. C'est un blog interactif. Vous, mesdames, vous pouvez m'envoyer vos petits délires matinaux et je vous les mets sur mon site de publicité. Et pour rendre la chose plus intéressante, forcément, Mademoiselle Javotte, elle n'est pas plus mademoiselle que moi ou certains d'entre vous, c'est un Jacques Mag de Saint-Aubin qui passe par l'avatar d'une Mademoiselle Javotte, hein, son identité cachée par Internet, pour pouvoir faire son petit commerce à lui. Alors, je reviens à James Tilly Matthews. The heirloom, je crois que je ne vous ai pas traduit, hein, ça s'appelle, lui appelle ça the heirloom, son délire, et heirloom, ça veut dire la machine à tisser l'air. Hein, la machine à tisser de l'air. Et rappelez-vous, ce que lui ne pouvait pas savoir, que l'air, to be on the air, ça veut dire passer à la radio, passer sur les ondes. Hein, donc nous, on pourrait traduire ça par la machine à tisser des ondes médiatiques, ces choses, ces flux qui sont, qui passent par l'électricité, qui passent par le magnétisme, qui nous rentrent par les oreilles, par les yeux, par plein de choses, qui nous traversent, qu'on répète lorsqu'on a entendu quelque chose. Alors ça, c'était mon cabinet de curiosité. Maintenant, quelques définitions ou quelques cadrages pour essayer de se demander ce qu'on peut en faire. Définition de Yussi Pareka, qui a fait le plus beau livre, le plus synthétique sur l'archéologie des médias, que je vous traduis ici. L'archéologie des médias se présente comme une manière de réfléchir aux nouvelles cultures médiatiques en profitant des intuitions tirées des nouveaux médias du passé, souvent en mettant l'accent sur les appareillages, les pratiques, les inventions oubliées, bizarres, improbables ou surprenantes. L'archéologie des médias considère les cultures médiatiques comme sédimentées en différentes couches, selon des plis du temps et de la matérialité, au sein desquels le passé peut soudain être redécouvert d'une façon nouvelle, alors même que les nouvelles technologies deviennent obsolètes à un rythme de plus en plus rapide. Donc, on peut trouver quatre caractéristiques de l'archéologie des médias telle qu'il la propose. Là, je vous cite différentes personnes qui ont écrit là-dessus. Ne cherchez pas l'ancien dans le nouveau, mais au contraire, trouvez quelque chose de nouveau dans l'ancien. Donc, on va revisiter des choses apparemment poussiéreuses ou oubliées et se dire, c'est dans les nouveautés de cet ancien qu'on va trouver de quoi éclairer ce qui nous arrive maintenant et qu'on ne comprend pas ou mal. Deuxième chose, l'archéologie des médias, on vient de le voir, s'intéresse à ce qui relève de l'anomalie, du marginal dans les cultures médiatiques. Troisième chose que je n'ai pas le temps de développer ici, mais que vous avez vu avec l'ouvrage artistique de 2002, hein, qui reprend The Heirloom, une grande partie du travail d'archéologie des médias s'opère non pas tant à l'université, dans les sciences sociales, l'histoire ou autre, mais par des moyens artistiques. C'est des artistes, c'est des expositions, c'est des textes narratifs ou fictionnels. Et quatrième point, un des enjeux de l'archéologie des médias, c'est de garder le concept de média aussi ouvert que possible. Hein, se demander qu'est-ce que c'est qu'un médium, qu'est-ce que c'est que les médias, si est-ce que James Tilly Matthews, avec son rêve ou son délire de heirloom, et si ça c'était un média, et si ça, ça nous aidait à comprendre ce que c'est par exemple qu'une télévision. Donc, récapitulation rapide pour distinguer l'histoire des médias, qui est quelque chose de bien établi, de l'archéologie des médias, qui est quelque chose de bien établi en Allemagne, dans certains pays anglo-saxons, scandinaves, voire en Hollande, mais qui en France émerge à peine. Tiens, j'ai oublié, je vous ai amené, il y a un numéro de MCD, Magazine des Cultures Digitales, qui vient de sortir là-dessus. Mais donc, c'est en train d'émerger dans les mois, les semaines qui arrivent maintenant. Donc, l'histoire des médias, en général, parle de mass-médias et commence à partir de 1900 ou 1850. L'archéologie remonte souvent en delà, pas nécessairement, mais souvent en deçà, et s'intéresse à des médias autres
que les médias de masse. L'histoire s'intéresse plutôt à des réalisations, alors que l'archéologie s'intéresse tout autant à des imaginaires médiatiques. Du point de vue de l'histoire, on s'intéresse aux statistiques de diffusion, aux études d'impact, à des choses telles qu'elles se sont passées. On fait une succession de réussites progressives. Hein, le télégraphe électrique, c'est mieux que le télégraphe de Chappe où il fallait se mettre en haut des collines et puis agiter les bras. Le téléphone, c'est mieux que le télégraphe. Le iPhone, c'est mieux que le téléphone, etc., etc. Succession de réussites progressives avec une sorte de téléologie. Plus ça vient tard, mieux c'est, plus c'est performant, plus on va vers la réussite. C'est une histoire d'inventeur et de précurseur, alors que l'archéologie est faite d'exhumation de curiosités plus ou moins singulières, d'accumulation de bricolage de monde et de montagnes d'échecs, plutôt avec un regard ethno-anthropologique qu'avec un souci techno-scientifique, quoique ça puisse aussi intervenir. Alors, je disais... conception des médias. Là, c'est là où il faudrait au moins 2 mois pour qu'on puisse creuser un petit peu ceci. Là, je vous rappelle 3 définitions. Une de Marshall McLuhan qui dit « Qu'est-ce que c'est que les médias ? C'est des extensions de l'homme. Le téléphone, c'est une oreille qui me permet d'écouter jusqu'au Japon. Extension de mon oreille par le téléphone, extension de mes yeux par la télévision, autre chose. Définition classique des médias, des appareils techniques qui ont pour fonction soit d'enregistrer, soit de transmettre, soit de traiter, hein, process, soit de traiter des signaux, d'accord, définition très englobante. J'aime bien aussi ce que propose Bernard Stiegler, que vous connaissez peut-être. Il dit, on peut parler de 3 types de rétention. Il y a les rétentions primaires, qui est ce que vous écoutez maintenant. J'imagine que si vous faites attention, vous entendez le projecteur là-haut, ça fait un peu de bruit. Sauf que jusqu'à ce que je le signale, à moins que vous ennuyez vraiment mortellement, j'imagine que vous n'avez pas trop fait attention à ça. Donc, vous retenez, vous faites une rétention primaire de ce que je dis, du bruit de ma bouche, plutôt que du bruit du projecteur. Rétention secondaire, c'est vous allez sortir d'ici et, si tout se passe bien, il restera quelque chose de mon agitation. Et ça sera vos souvenirs, rétention secondaire. Et qu'est-ce que c'est que les rétentions tertiaires ? Eh bien, c'est ça. C'est ce qu'on est en train d'enregistrer. Même si vous n'étiez pas là, vous pourriez voir une partie de ce qui se passe ici après coup, parce que ça s'enregistre, parce qu'il y a une objectivation par des moyens techniques. Et ce qu'on appelle média, c'est souvent ce qui produit ou le résultat de cette objectivation par des moyens techniques de rétention tertiaire. Quelque chose que j'aime bien chez Bruno Latour, on aura le temps, on aura plus le temps de regarder ça. L'espace des médias se situe entre 2 polarités. Ce que Latour appelle d'un côté des intermédiaires, c'est ce qui permettrait de transmettre sans transformer. Transmettre sans transformer. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de modification. L'exemple que je vous donne, c'est le câble USB. En général, tant qu'ils ne sont pas trop rouillés, pourris ou cassés, ce qui rentre d'un côté du câble USB sort de l'autre côté du câble USB, ça se transmet, ça fait passer, et ça serait l'idéal technique minimal de l'intermédiaire. Mais sitôt qu'on rentre dans la communication entre humains, et sitôt qu'on va au-delà du câble USB, on s'aperçoit que les ordinateurs, qui sont pourtant des machines, ils transmettent, mais ils ont des bugs, ils ont des virus, ils ont des fatigues, ils ont des pannes, ils ont tout ceci qui fait que ça modifie. Et là, Latour va nous dire, on quitte le pôle du médiateur, de l'intermédiaire, pour aller du côté du pôle du médiateur. On sait bien que dans un conflit, le médiateur, ce n'est pas un câble USB, il va mettre du sien, il va peut-être être payé par un ennemi, on va le suspecter. Et là, on est dans les pratiques humaines de traduction et de négociation. Et l'espace des médias, c'est celui qui va entre les intermédiaires, qui sont un idéal technique rarement réalisé, voire jamais, dit Latour, et un médiateur dont on espère qu'on peut le rendre aussi fidèle que possible. Et dernière définition de médias englobante de Yussi Parikka, j'aime bien celle-là, les médias consistent en une action de plier le temps, l'espace et les agentivités. Je trouve ça très concis et il me semble très, très suggestif. On pourrait peut-être déplier cette définition dans vos remarques tout à l'heure. Alors, si vous me suivez jusque-là, on peut justement commencer par déplier les médias sur au moins 3 couches. Ce qu'on appelle média en France, on l'écrit M-E accent aigu D-I-A-S et on fait référence aux médias de masse, c'est TF1, Libération, etc. Les médias, le médiatique. Ce dont je vous ai parlé jusque-là, c'est un médium au singulier, des médias sans accent ni S au pluriel, hein, tout intermédiaire ayant des effets de médiateur. Je ne vous ai pas parlé de la médiance, on laisse ça de côté et on va appeler ça le domaine du médial, moins du médiatique que du médial. Enfin, il y a quelque chose qui est toujours présent, ça c'est un des postulats de l'archéologie des médias qui est un petit peu inquiétant, c'est que sous les médias de masse et
les médias simplement d'enregistrement, transmission ou traitement des données, il y a des phénomènes médiumniques. Il y a toujours quelque chose que nous vivons, même si on sait que c'est de la technologie, nous le vivons comme de la magie, noire ou blanche, comme de l'enchantement, comme quelque chose qui nous dépasse, dont on a beau savoir que c'est de la technique, mais pourtant, le rapport qu'on a avec lui se rapproche plus de ce qu'on appelait de la magie ou des esprits que de simples outils. Alors, l'archéologie des médias, pourquoi faire ? Très rapidement, d'abord pour se faire plaisir, moi ça m'amuse, vous je ne sais pas, mais bon, ça me semble une bonne raison. Pour, surtout, la principale raison, c'est, pour moi, après chacun en fait ce qu'il veut, pour essayer de s'orienter dans les bouleversements du numérique. Je ne sais pas vous, mais moi, je sens qu'on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. L'humanité a vécu plein de choses merveilleuses ou horribles, mais il me semble qu'elle n'a jamais vécu aussi vite des transformations aussi fondamentales de la façon dont non seulement on mange, on bouge, etc., mais dorénavant de la façon directement dont on pense. Tout est en train de se faire numériser, à savoir transformer en chiffres, algorithmé une fois que ça s'est fait numériser, et ça c'est énormissime et on n'a aucune idée de ce qui nous arrive. Ça nous arrive pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas on ne sait absolument pas ce qui nous arrive. Il y a plein de gens dans les sciences sociales, dans l'histoire des techniques, dans les développements techniques contemporains qui s'efforcent, qui font de leur mieux pour essayer de nous orienter là-dedans, et tant mieux pour eux et on a besoin d'eux, mais ce n'est pas le quart de la moitié de ce dont on aurait besoin pour ne pas être perdu. Et le retour en arrière sur plusieurs siècles, l'étude des nouveaux médias du passé, l'étude de ce qui a foiré dans le passé, l'étude des folies, de ce qui passait pour une folie il y a quelques décennies ou quelques siècles et qui maintenant se trouve avéré, il me semble, j'espère, c'est le postulat, vrai ou faux, à prouver ou à être incapable de prouver, que ça peut nous aider un petit peu à nous orienter dans ces bouleversements numériques. Ça permet aussi l'archéologie des médias, vous l'avez vu, de dynamiser la recherche universitaire en ce sens que ça vous pousse à faire que l'universitaire essaye de parler avec l'artiste, ça vous pousse à sortir les universitaires des universités pour les faire aller dans des galeries ou dans des musées et réciproquement, donc ça je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et ça peut nous aider un petit peu nous autres, alors là c'est très corporatiste, dans les études littéraires, où on pourrait expliquer pourquoi c'est très compliqué, mais on n'a pas à être fier, on a de moins en moins d'étudiants. Et il me semble que de se brancher sur des phénomènes médiatiques très contemporains et d'essayer de faire sentir aux étudiants qu'on peut utiliser la littérature pour faire des réflexions intéressantes sur ces vagues de nouveaux médias dans lesquels ils sont pris autant que nous, ça peut être peut-être une façon de réinscrire les études littéraires dans des choses tout à fait urgentes. On peut parler d'études de médias comparés, si vous voulez, je vais passer là-dessus. Dernière chose, là c'est un petit peu plus métaphysique, mystique, éthique ou appelez ça comme vous voulez, il me semble important de prendre soin des médias en tant que médias. Et là, pour moi, c'est la définition minimale de la pratique artistique. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? C'est quelqu'un ou quelqu'une qui prend soin du médium, que ce soit la langue, le livre, l'image, le son, etc., en tant que c'est un médium qui a des capacités inexplorées et qu'il faut prendre soin avec amour, avec respect, avec attention du médium en tant que tel. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose qui unifie à la fois ce qu'on fait très souvent à l'université dans les études littéraires, ce que font les artistes et qui est au cœur d'une archéologie des médias. Est-ce que j'ai le temps pour trois directions de recherche ou est-ce que je m'arrête tout de suite ? Encore ? Trois, ça fait à peu près trois minutes. Ou quatre. Donc, première chose qu'on a vue, la plupart de ce que je vous ai présenté, c'est un petit peu dans les études des imaginaires médiatiques. On survole des imaginaires médiatiques du passé pour essayer de mieux comprendre les imaginaires médiatiques du présent. Et là, on peut dire ceci, comme Kluitenberg, le Hollandais, les médias imaginaires, donc des choses qui n'existent pas, mais Zaziri de Charles Tiphaine de la Roche, la Gifantie de Charles Tiphaine de la Roche, c'est Globe, etc., médiatisent des désirs impossibles. Ces désirs impossibles sont toutefois assignés par leurs inventeurs, aussi bien que par le public, à des machines médiatiques existantes. La transition entre les machines médiatiques imaginaires et réelles, du point de vue de leur signification, peut donc très souvent être fluide, ou souvent être très fluide. Parce que les désirs impossibles ne peuvent jamais être pleinement réalisés ou satisfaits, les médias imaginaires excèdent le domaine des appareils et leur histoire. Ils articulent un champ très complexe de signification et de détermination qui tend à brouiller les frontières entre les imaginaires technologiques et les développements technologiques effectifs. Donc, on regarde ce que les humains ont imaginé qui ressemble à des dispositifs médiatiques.
Deuxième voie de l'archéologie des médias, et là, il y a des gens qui se font, enfin, ils ne sont pas assez nombreux pour se faire des vraies guerres, mais qui ont des opinions bien tranchées. Par exemple, Wolfgang Ernst, qui est une sorte de disciple de Friedrich Hitler, que peut-être qui a un nom qui va monter, à mon avis, dans les quelques années à venir, même s'il est mort il y a 10 ans, ou moins. Donc, Ernst nous dit non. Plutôt qu'à se résumer une collection nostalgique de médias morts du passé, rassemblés dans un cabinet de curiosité, plutôt que faire ce que je vous ai fait pendant le premier quart d'heure de ma présentation, l'archéologie des médias est un instrument analytique, une méthode pour analyser et présenter des aspects des médias qui échapperaient sans cela au discours de l'histoire culturelle. Dès que les médias ne se confondent plus avec leur contenu masse médiatique, ils s'avèrent être des entités non discursives, donc il ne faut pas raconter des histoires, il ne faut pas observer des images, il faut décrire des mécanismes, il faut décrire comment fonctionnaient les moyens de communication en 1750, en 1820 ou en 1942 pour faire de l'archéologie des médias plutôt que regarder ce que les humains ont rêvé. Donc c'est deux voies possibles. Et c'est là que je vais m'arrêter. Alors, vous n'aurez pas l'écologie de l'attention, mais on va essayer de monter une ANR où vous aurez 4 ans pour parler d'écologie de l'attention et d'archéologie des médias. Vous n'aurez pas un schéma qui vous explique tout. On retourne à The Heirloom. Et là, j'ai encore une minute, je pense, de grâce. On retourne à The Heirloom où on avait, ce qu'on a vu, c'est des médias imaginaires, une sorte de médiumnicité, de folie ou de médiumnicité qui a traditionnellement discrédité ce genre de choses, forcément un insuccès historique, c'est pas possible que cette machine fonctionne sous cette forme-là, la folie singulière d'un dingue, quelqu'un qui vient après coup, qui réalise matériellement, qui donne une matérialité, mais une matérialité ironique à cette espèce d'imaginaire médiatique passé, qui s'investit néanmoins d'une pertinence anachronique, parce que tout ce que j'ai décrit que fait The Heirloom, c'est un petit peu ce que nous fait Internet et les écrans de télévision à nous-mêmes. Et donc, on s'arrête là. Merci, pardon pour la minute de retard. Donc, merci à toutes et à tous. Moi, simplement, sur ce qui a été dit, j'ai aimé le cabinet de curiosité. Et cette clé d'entrée, je la trouve très stimulante. J'ai compris le commun, la mise en mouvement, l'émotion, les ondes, enfin, ce travail sur les mots. Et je me disais que dans chacune de nos disciplines, et j'imagine qu'il y a une mise en tension chez vous pour pouvoir continuer le débat, la question trouver du nouveau dans l'ancien, l'anomalie et le marginal mobilisable, la coopération avec les moyens artistiques jusqu'à l'injonction. Il faut absolument qu'il y ait un artiste là, et puis quel rôle pour l'artiste et la question du créatif. Ne pas trop définir ce que c'est. Je dis à peu près la même chose sur la ville. Puis comme ça, ça permet de travailler. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Donc on devrait profiter de cette mise en concept un petit peu de ces choses-là. Et moi, je considère aussi ton propos comme une invitation, une stimulation qui est importante pour nous, chercheurs ici et non chercheurs. Donc je voudrais te remercier, te dire qu'on peut te retrouver demain, mercredi, du côté du musée, je crois, non ? Oui, il y a un rendez-vous sur le lien, la rencontre. Il faut un peu se synchroniser. Voilà. Pour nous, en ce qui nous concerne, nous, rendez-vous le 18 novembre. Donc, même endroit, même heure, 12h15 pile, pour une nouvelle rencontre en sciences humaines. On fera le lien avec la question artistique, puisqu'on va recevoir Stéphane Chanclan, donc artiste plasticien, et une question, qu'est-ce que l'art peut apporter à un territoire en mutation ? Ça pouvait sembler un peu étrange il y a quelques années, ou voire même encore quelques mois. Aujourd'hui, il y a des éléments de réponse, de recherche-action. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. Vous dire que les bouquins d'Yves Citon sont en vente là-bas. Ça vient de la librairie de la Dérive. Donc, il faut absolument acheter à la librairie de la Dérive. Je ne vais pas citer tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans la démarche. Vous pouvez rejoindre le buffet et reprendre des recherches normales. Et le reste sur le réseau la prochaine fois.